Salut. Salut. Jeanne est dans un drôle d'état. J'espère qu'elle va pas finir par s'écrouler. J'ai jamais vu comme ça. Non, tu connais Jeanne, c'est pas le genre à boire. Faudrait qu'elle mange. Y'a rien du tout ici à part des sacs de chips vides. Je peux trouver un hamburger. Génial. Allez, viens, tu te sentiras mieux si tu manges. Je crois que je me sentirais mieux si Lexi arrêtait de me suivre partout. Qui l'a invité d'ailleurs? C'est moi. Ouais, elle va encore m'espionner. Mais peut-être que je n'aurais pas à le faire si tu répondais à mes coups de... Waouh, waouh, les filles, arrêtez, c'est idiot ces tensions. Ouais, faites la paix. Allez, ça suffit, arrête de me suivre. Toi et moi, on n'est plus copines, c'est fini, c'est Jeanne, tout. Tout ça, c'est nul. Toi, laisse-moi tranquille, je sais encore ce que je fais quand même. Je te laisse. Ça me rend trop triste tout ça. T'as pas encore compris que je te détestais et que j'avais plus du tout envie de te voir. C'est clair? Eh bien voilà, on est à Seattle. Préférais Chicago? J'aimais bien notre maison. Ouais, celle-ci est deux fois moins grande. Écoutez, on ne va pas s'amuser à ça, s'il vous plaît. On ne va pas s'amuser à comparer la vie d'avant à celle de maintenant. C'est idiot, ça ne nous aide pas. Ce qu'il faut, c'est recommencer une nouvelle vie. J'aimais mon ancienne vie. C'est ton deuxième morceau, moi j'en ai qu'un. Écoutez, les filles, ça n'a jamais été mon idée. J'ai pas voulu, moi, ce divorce. On le sait bien, maman. Votre père a bougé, on a bougé et on fait ce qu'on peut. Pourquoi il a fallu qu'on déménage? Parce que ce boulot est le seul que je connaisse. C'est vrai, j'ai grandi au beau milieu des affaires de produits alimentaires et ça rapporte beaucoup plus que ce que j'aurais pu trouver à Chicago. Et rappelez-vous, il n'y a personne qui sait qui vous êtes ici. Alors, vous pouvez réinventer votre vie. Vous pourrez être qui vous avez envie d'être. Vie. Comme t'en as envie, on n'a qu'une seule vie. Ben dis donc, à l'appétit. C'est ton troisième morceau, mais quel goinfre. Tiens, ma petite. Tu sais, je suis aussi nerveuse à cause de mon nouveau boulot que tu peux l'être à cause de ta nouvelle école. Au moins, toi, t'es payé. Quand vont avoir lieu les sélections? Je sais pas. Peut-être que je vais pas jouer. Mais si, tu vas jouer. Et c'est le meilleur moyen de te faire de nouvelles amies. Je suis pas un petit peu trop grosse? Moi, je te trouve pas grosse. Tu manques un tout petit peu d'exercice, c'est tout. Ça veut dire que tu me trouves grosse. Lexi, je te jure que tu n'es pas grosse. T'as pris quelques kilos superflus cet été, mais c'est pas grave. Ils disparaîtront dès que tu auras recommencé à jouer. Cesse de te faire du souci. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Bonne nuit. On s'applique. Bravo. Suivant. Oui, bien. Suivant, allez. On y va. Très bien. Ça, c'est Jennifer. Qui ça? Jennifer Hansberger. Wow. Elle est drôlement bien. Allons-y. Elle a aussi toujours les meilleures notes. Et c'est la meilleure actrice de l'école. Vous pouvez la détester. Oui. Très bien. Oh, à propos, suivante. Je m'appelle Sarah. Lexi, contente de te connaître. Oui, moi aussi. Suivante. Ah, bonne chance. Bien haut. Wow. Waouh, wow, joli smash. Tu me l'as bien donné. Vous êtes sûre que vous n'avez pas déjà joué ensemble? Je m'appelle Jen. Lexi. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Salut Jen, ça va? Merci.
Allô? C'est moi, madame. Ah, salut, maman. Alors, comment ça s'est passé? Très bien, je suis prise dans l'équipe. Waouh! C'est fabuleux, ça! Toutes mes félicitations. Mais j'ai toujours su que ça marcherait. Ah, et j'ai décidé de faire ce que t'as dit, de réinventer ma vie. Est-ce que je peux te lire ma liste? Ça ne nous prendra qu'une minute. Oh non, pas maintenant, ma chérie. Il faut que je file à une conférence. Je ne vais avoir que 30 secondes. S'il te plaît, une minute. Je t'écoute. Catherine! Manger 7 perdre au moins 5 bons kilos, avoir un A en géométrie, réussir des services gagnants, aider un peu plus ma mère. Oh, je l'adore, celle-là. Et devenir la meilleure amie de Jennifer Hunsberger. C'est bien, ça me semble super, ma chérie. Écoute, il faut que j'y aille. Moi, je voudrais que tu fasses tes devoirs et sans la télé. Ça marche? Ça marche. Bisous. C'est ça, gros bisous. Allô, le marketing? Oui, est-ce que Peter Archer est là, s'il vous plaît? C'est de la part de qui? Dites-lui que c'est sa fille. Je suis désolée, il est en conférence. Tant pis, pouvez-vous lui dire que j'ai appelé? Rappelez-moi votre nom. Oui, c'est Lexi. Le nom de famille? Lexi Archer. Très bien, je lui ferai le message. Merci. Ça sent bon. Oh, c'est chouette. Lexi! Salut, salut. Les garçons, c'est Lexi, la nouvelle joueuse dont je vous ai parlé. Bonjour, salut. Salut, Justin et Ben, ils sont dans l'équipe masculine. Lexi arrive de Chicago. Oui, mes parents ont divorcé, alors voilà, je suis là. Ouais, ça, je sais ce que c'est. Ça va faire bientôt un an que j'ai appris la grande nouvelle. Ces garçons, ils mangent vraiment n'importe quoi. Oh, tu veux pas prendre un petit peu de sauce avec ça? Ah, vraiment, elle est trop parfaite. Merci. Vous devriez voir nos nouveaux maillots. Il y a une grande bande diagonale au milieu. Je trouve ça très classe. Ouais, attends un peu de voir les nôtres. Ils ont l'air d'avoir 100 ans. Dans le sport, les filles passent en dernier. Ouais, on est toujours habillées craignos. Ouais, le style sac à patates. C'est soit le sac à patates, soit la proue épouvantail à corbeau. Dans un grand champ triste et plein de pucerons. Ça a l'air bon, je peux t'en piquer. Maman, tu sais combien il y a de matière grasse dans ces trucs-là? Non. Il y en a 7 grammes par portion. Et ils disent que c'est hyper léger. Jill, tu sais que je n'aime pas que tu fasses tes devoirs à la dernière minute. C'est notre premier match aujourd'hui. Je sais. Je voulais vraiment aller te voir, mais les producteurs font une conférence sur les pesticides et il faut que j'y assiste. Tu sais que je serais venue sinon. Ça n'a pas vraiment d'importance de toute façon. Je suis désolée, ma douce. J'ai fini. Mieux que ça et mieux contrôlé. C'est comme si vous vous regardiez jouer. Bon, il faut resserrer tout ça, hein. 1, 2, 3, c'est parti. Lexi, tu sors. Changement. Tu es une bonne joueuse, Lexi, mais tu dois anticiper et attaquer la balle plus vite. Jen est toujours prête à finir le point, mais tu ne la sers pas assez. Je sais, je suis vraiment mauvaise aujourd'hui. Désolée. Autre chose, tu sauterais beaucoup plus haut si tu perdais un peu de poids. Quelques kilos de moins font parfois toute la différence. J'adore ta maison. Merci. Est-ce que Justin serait ton petit ami ou je ne sais quoi? Non. Il l'était avant quand on était gamin, mais ce serait plutôt un frère maintenant. Eh bien, moi j'ai une sœur. Une petite sœur d'ailleurs. Est-ce que t'es fille unique? Non, j'ai un frère, il est plus âgé, mais il fait ses études ailleurs. J'aime pas être la petite qui reste. Jennifer? Oh, maman, combien de fois je t'ai dit qu'il fallait d'abord frapper? J'ai pris plusieurs petites choses pour toi chez Léon. J'ai pensé que tu aimerais, y compris une robe qui sera vraiment parfaite pour l'anniversaire de grand-mère. Oh, maman, ça c'est mon amie Lexi, la fille de l'équipe dont je t'ai parlé. Ah oui, Jennifer m'a dit que tu venais du Middle West, mais moi aussi je viens de là-bas. Oui, elle a été Miss Graine de Maïs en 1970. Sérieusement? Oh, maman, ça fait rien si Lexi reste ici cette nuit, c'est d'accord avec sa mère.
Oui, bien sûr. Seulement, vous devrez vous débrouiller par vous-même. Ton père et moi, on sort ce soir. Ça m'a fait plaisir. Lexi? Oui, et moi aussi. Elle va t'acheter tes fringues? Oui, je suis sa petite poupée à elle. Enfin, on va dire, elle a plutôt bon goût, seulement. J'aimerais pouvoir m'acheter mes affaires moi-même de temps en temps. Elle avait décoré ma chambre. Mais il y a eu rébellion. Tiens, regarde. Waouh! Qui c'est ça? Tu ne connais pas? Mmh. C'est Chloé Dunsmuir. Une Anglaise à la fois actrice et mannequin dans les années 70. Chloé Dunsmuir. Je trouve que rien que le nom est sublime. Elle a aussi une allure incroyable. Est-ce que tu as vu le film français J'ai oublié d'aimer? Mmh. Elle jouait dedans. J'aime ce genre de film. T'aimes les films français? Mmh. Moi aussi. C'est génial. L'amour. Qu'est-ce que c'est, l'amour? L'amour... Oh, je ne sais pas. Un couteau qui reste sur la table. J'aime mieux voir des fleurs, moi, sur une table. Entre un homme et une femme. Mais moi, j'aime mieux un homme et une femme. Je meurs de faim. Moi aussi. Ah, l'assaut de la cuisine. Ah ouais. Ah, oh, mon estomac. Moi aussi. Je vais aller faire un tour aux toilettes. Très bien. Bonnes idées, quand la cuve est trop pleine, purger et rejeter. Tu veux dire que tu te fais toi-même? Je peux pas me goinfrer comme ça et ne pas faire quelque chose. Mais tu ne le diras à personne, juré. Juré? Croix sur le cœur, bis sur le coude. J'avais envie d'avoir une amie comme toi. Allez, viens, on va essayer des trucs. Ce bouton. J'ai l'air grosse, même avec du noir. C'est pas vrai, je ressemble à un petit pot. Ouais, tu parles, t'es sûrement la fille la plus mince que je connaisse. Si t'es un petit pot, alors moi, je suis un bibindum sur ressort. Regarde droit devant toi, t'arrêtes pas, évite de renifler. Alors tu penses, je t'ai contente. Non, pourquoi? J'ai entendu le téléphone sonner quand j'étais sous la douche. C'était pour moi. Oh. Est-ce
qu'il avait dit qu'il devait t'appeler? Non. J'ai laissé un autre message sur ce répondeur. J'aurais voulu lui parler. Pas très bien ce que j'ai pu faire de mal. Lexi, tu n'as absolument rien fait de mal. Alors pourquoi il ne me rappelle pas le jour même? Il va te rappeler, il le fait toujours. Un jour, il ne le fera pas. Il sera trop occupé et il oubliera. Est-ce que je peux avoir l'autre moitié? Oui, bien sûr. Je croyais que tu n'aimais pas les papayes. J'aime pas ça. Seulement, je suis au régime. Moi aussi. Au moins jusqu'à l'heure du repas. Voilà. Allez, vas-y, ouvre-la. Très bien. Tu vas t'y habituer. Surtout quand tu auras commencé à maigrir. Coupe-le en quatre, ça durera plus longtemps. Tu crois? Voilà la question. Un chewing-gum et tu le gardes jusqu'au petit déjeuner. Bien si l'équipe organisait un truc payant pour le carnaval. Quel genre? Je sais pas, mais un truc où on puisse vendre les billets à l'avance. Comme ça, si les gens ne viennent pas, on a quand même l'argent. J'adore ça. C'est tout ce que vous mangez? Quand vous serez en match, vous n'aurez plus d'énergie. J'ai bien plus d'énergie quand je mange léger. Je me sens plus vif, plus lucide. Hein, Lexi? Ouais. Ça vous regarde. Allez, à plus tard, hein? T'as vu son sandwich? Au moins dans les 800 calories, si c'est pas dans les 1000. Et c'est, je crois que finalement, j'ai perdu la sensation de faim. En un mois, c'est pas mal. Maman, ne me fais pas peur comme ça. Combien as-tu perdu? Je ne voudrais pas te voir disparaître. Ça, c'est moi, maman. Je vais m'évanouir dans les airs. Je suis sérieuse. Je crois qu'il faut que tu stoppes ce régime. Je parie que t'as jamais eu de grosses hanches. Oh, mais enfin, toutes les femmes ont des hanches et je te jure que les tiennes ne sont vraiment pas grosses. Je déteste mes hanches. Et mes cuisses. Mmh, tu as vraiment un corps magnifique, ferme et en très bonne santé. Et je veux que tu le gardes tel qu'il est. Tu veux que je regrossisse, c'est ça? Lexi, tu ne seras jamais grosse. Je te jure, il n'y a pas vraiment. Tu dois y arriver grand. Lexi. Ah, je te trouve super. Merci. Oui, tu as l'air vraiment différente. J'étais même pas sûr que c'était toi. Dis-moi, est-ce que ça te dirait d'aller à cette soirée dansante samedi? Ça marche. Génial. Génial, mon père est là. Faut pas tirer pour ça. Oui, allez, tapez-les. C'est pas vrai, on dirait que j'ai jamais joué. C'est pas grave, Jane, accroche-toi. Allez, on va gagner le prochain.
servi, Lexi. Dommage que Jennifer ait été si mauvaise aujourd'hui. Je suppose qu'elle n'en voulait pas assez. Jen est la meilleure joueuse de l'équipe. Mais je le sais bien. Et c'est pour ça que j'ai horreur de l'avoir jouée ainsi. Au secours, j'aurai besoin d'aide, je vais tout laisser tomber. Oh. Oh. Merci, chérie. Oh. Je me suis dit qu'enfin j'allais faire quelque chose à dîner. T'as pas vu mon match? J'ai servi comme... Oh, c'est pas vrai. T'as entendu ce que je t'ai dit? Oui, une minute. Tu peux m'aider à nettoyer mes bêtises? Allô? Oh, salut, papa. T'as regardé le match de baseball hier soir? Je sais, j'ai voulu en faire, mais il n'y a qu'une équipe masculine. Je vais chercher un club civil pour le printemps. Attends. Maman, c'est papa. Lexi va lui dire un mot. Papa? Salut. Tu sais la meilleure? J'ai servi comme une folle. C'est vrai? Je sais, j'aurais aimé moi aussi. Oh, c'est vrai, ça me semble super. Attends, je vais lui demander. Maman, on va faire quoi pour Thanksgiving? Je ne sais pas, pourquoi? Elle sait pas. Très bien, attends. Allô? Eh bien, on est en train de préparer à dîner. Je croyais que c'était toi qui te déplacerais pour venir les voir. Mais comment elles vont faire pour aller là-bas? Bien, on y réfléchira. Écoute, il y a quelque chose qui brûle, on en reparlera plus tard. Au revoir. Ça, c'est nul, maman. Je voulais lui dire au revoir. Moi aussi. Allô, je voudrais commander une double pizza au fromage. On fait la paix. Je sais que tu en as marre des pizzas, alors. Voilà un sandwich au thon, je sais que tu aimes ça. T'as rien mangé au dîner? J'ai pas faim, tu sais. Oh, écoute. Je sais que je suis hors de moi quand votre père appelle. Et plus encore quand il appelle pour me dire qu'il aimerait vous faire venir à Chicago. Bon, on va pas y aller. Mais si, vous irez. Je veux que vous y alliez. Maman, il faut vraiment que je fasse mes maths. Alors mange quelque chose. Tu vas devenir trop maigre. Et ne te couche pas trop tard. Je t'adore. Bonne nuit. Appelle-moi Chloé. C'est fou ce que tu lui ressembles. Eh bien, on y est arrivé. Les petits pots sont devenus petits poissons. Tu sais ce qu'on dit toujours? Une femme n'est jamais trop riche, ni jamais trop mince. Quand est-ce que tu pars pour Chicago? Le mercredi prochain. Un petit peu nerveuse à l'idée de voir mon père, tu sais. Il a l'air tellement seul. Ma mère l'aime encore, en fait. Peut-être qu'il voudrait revenir. Ou peut-être que je peux encourager à ça. Je trouve que c'est romantique quand un couple se remarie. Pourquoi avait-il divorcé? Oh, mon père a eu une aventure avec une personne de son bureau. Ça n'a duré que quelques temps, mais ça a tout gâché. Bon, mais dis donc, toi, est-ce que tes parents sont fous d'amour? Hein? Je crois que mon père fait collection de maîtresses en tout genre, et ma mère est la reine du démenti. Waouh! Qu'est-ce que vous êtes jolie? Oh oui. Waouh! Le vol en provenance de New York. Alors, Jill a grandi d'au moins 5 cm et Lexi a maigri d'au moins 5 kg. Tu as perdu tes rondeurs de bébé. Je te trouve magnifique. Merci, papa.
Alors comment c'est, Seattle? Oh, je crois que le mot-clé là-bas, c'est précipitation. On habite à 2 kilomètres du bord de la mer, alors il y a toujours un vent incroyable, tu sais. Un jour, je vais décoller. Eh bien, je pense que j'irai vous dire un petit bonjour. Oh, tu sais, il y a beaucoup de boîtes de pub à Seattle. Probablement autant qu'à Chicago. Peut-être que tu peux trouver un boulot. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison pour que tu ne puisses pas te rapprocher de nous. Oui, comme ça, on se verrait toutes les semaines. Ma copine Nancy voit sa mère du dimanche au mercredi. Ensuite, elle voit son père du jeudi au samedi. Oui, et après tout, maman et toi, vous pourriez vous revoir. Ben, c'est vrai qu'on ne sait jamais. Le reste qu'on va faire, on va laisser la voiture garée là où elle est et on va manger quelque chose. Ça vous dit d'aller manger? Bien sûr. Parfait. Oui, là, qu'est-ce qu'il faisait? C'était bien drôle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu es Jill et toi, Alexis. Toi, tu es différente sur les photos. Jill, Alexis, voici Jolène. Salut. Moi, j'ai connu votre père à la banque. Je m'occupais des crédits. Tu as emprunté de l'argent? Non, mais disons que chaque fois que j'allais là-bas, je la voyais. Et puis un jour, il m'a invité. Mmh. Mmh. D'ailleurs, je suis plus à la banque maintenant. Hein. Je reprends des cours. Oui, elle fait une formation. T'en veux un morceau, Alexis? Elle est au régime. Elle est toujours au régime. Je ne suis pas au régime. J'en ai pas envie, c'est tout. Oh, bon appétit. On est déjà presque à Noël, ça passe vite. Tu vas décorer un arbre cette année? Il va venir à Seattle pour nous voir, n'est-ce pas? C'est que finalement, on vient de décider d'aller dans le Colorado pour faire un peu de ski. Et on aimerait bien que vous veniez passer quelques jours avec nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Ne me dis pas que tu n'aimes pas la pizza. Monsieur, vous pouvez prendre ça? Tu en es sûr? Tu n'as pratiquement touché à rien, Alexis. C'est Lexi, et ça j'en suis sûre. J'espère qu'elle continuera de s'empiffrer. Elle deviendra tellement énorme qu'au moment où elle se mettra en maillot de bain, mon père la trouvera tout à fait repoussante. Ne t'inquiète pas, ça va arriver. J'aimerais que tu sois ici. On pourrait aller s'acheter des vieux vêtements ou je ne sais quoi. Oui, moi aussi. Cette maison, c'est la ville de l'ennui. Appelle-moi dès que tu reviendras, d'accord? D'accord. Les frais. Bisous. Bisous. Chérie, j'aimerais t'emprunter un tampon. Eh bien, je n'en ai pas, tu sais. Désolée. Tu n'en avais pas non plus le mois dernier. Mais tu n'as pas eu tes règles depuis combien de temps? Je sais pas. Enfin, tu as bien inscrit ça sur ton agenda. Maman, tu pourrais sortir. Tu vois bien que je m'habille. Tu n'as plus eu tes règles depuis 3 mois? Je crois qu'il faudrait aller consulter un gynéco. Oh non, je veux pas y aller. Laisse tomber, j'ai pas envie qu'un type m'examine à cet endroit. Mais on s'adressera à une femme, je dois y aller moi aussi. Je vais envoyer les tests au labo et s'il y a quelque chose, je vous préviendrai. Alors docteur, quelle est votre opinion sur tous ces retards à répétition? Est-ce que vous pensez que ça peut être lié à un régime mal équilibré? Écoutez madame, elle pèse 58 kilos, c'est normal pour sa taille.
Oui, je sais, mais j'ai lu aussi que l'un des signaux d'alarme était un cycle menstruel instable. Les fluctuations du cycle menstruel sont fréquentes à son âge. Et si vous cherchez une cause, je dirais plutôt que c'est lié au traumatisme du divorce. On verra ça dans 6 mois. Très bien. Je vous dis merci pour tout. Les trucs de Jen ont marché. Ah, c'est toi. Comment c'était l'entraînement? Très bien. Je vais encore faire quelques exercices pendant que mes muscles sont chauds. Non, le dîner est prêt maintenant. Tu vas venir t'asseoir. J'ai fait quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'est? J'appelle ça du poulet Tahiti. C'est servi avec de l'ananas. J'adore l'ananas. Je veux juste avoir un petit peu de riz. Je veux pas manger de viande. Alors maintenant, tu es végétarienne. Eh bien, tu prendras de l'ananas et tu prendras pas de poulet. Et puis j'ai fait aussi des avocats en salade. Les avocats, c'est ce qu'il y a de plus gras, maman. Oui, ma chérie, mais il y a aussi beaucoup de potassium. Et par ailleurs, tu ne vas pas te contenter de ne manger que du riz. J'ai pas envie d'autre chose. C'est en quel honneur, de toute façon? Je voulais simplement faire un repas familial sympa entre nous. Ça te va? Des fleurs, une belle nappe. Maman, t'as vraiment besoin d'un petit ami. Enfin, papa a une petite amie, lui. Pourquoi faudrait pas lui dire? J'ai eu mon bulletin scolaire. Un A partout. Je suis vraiment fière de toi, Alexis. Bizarre. Cette façon de bien se respirer, tiens. C'est un peu à ça que ça ressemble. Je suis pas assez active, c'est vrai. Je suis restée allongée bêtement. Alexis Archer. Tu es en train de me dire que tu n'es pas vierge? Oh mon Dieu. Quand et qui? Ça s'est passé à Chicago. Mon voisin, un certain Brandon. Et me disant que ça compte pas. Mais si, ça compte. Tu en sais plus que moi. Quoi? Oh, mais je croyais que tu l'avais fait, toi aussi. Eh ben, je suis une actrice, ne l'oublie pas. Allez, on y va. On va être en retard à l'entraînement. Dépêche-toi! J'arrive! Hé, Archer, t'aurais besoin de te remplumer. Je trouve que c'était sympa, cette équipe de tombola. Ouais, c'est sympa, c'est une ambiance. Et ça, c'est rentré de l'argent. C'est ce que je veux, merci. Fais un effort, Justin. Un billet, c'est pas assez. Mais j'ai droit à quoi, si je gagne? Un voyage à Paris. Ce que j'espère, c'est qu'elle ne devienne pas trop maigre. Il ne faut pas vous en faire pour elle. Disons que c'est une jeune fille sensible. Sensible, oui, c'est vrai, mais... Oh, pardon, vous étiez en train de parler. C'est pas grave. Comment ça va? Bien. Je suis Pamela Hartberger, la maman de Jennifer. Oui, Catherine Archer. Oui, Lexi vient de me dire que vous étiez là et j'ai eu envie de venir vous dire bonjour parce que comme nos filles sont de grandes amies... Oui, je trouve ça génial. Vous savez, quand on est arrivé ici, elle se disait, est-ce que je vais me faire de nouvelles amies et... Oui, voilà. Très bien, c'est super. Et c'est pour qui, en fait, toutes ces photos? Le journal municipal. Je travaille souvent pour lui. Écoute, je sais que ça risque de passer pour de la drague, mais as-tu déjà pensé à devenir mannequin? Oh, oui, tout le temps. Voilà ma carte. Je voudrais que tu passes au studio un de ces jours. On fera quelques photos. Très bien. Jill? Tu crois que je peux...
pas de mannequin? Aucune chance. On voit que tu connais rien. Il y a un photographe qui a envie de faire des photos de moi et de Jen. Je crois qu'il a envie de faire de nous des stars. Et bientôt, on risque de nous voir dans ce genre de magazine. On gagnera des tonnes de fric et on fera des voyages. De toute façon, toi, tu connais rien. Allez, va jouer avec tes poupées. J'arrive pas à croire qu'on puisse faire ça. Et s'il s'agissait d'un pervers? Les pervers ne donnent pas leur cas. Nick McKay, photographe de mode, ma chère. Alors qu'est-ce qu'on va dire à nos parents à propos du film qu'on n'aura pas été voir? On leur dira qu'on n'a pas aimé. Et comme ça, ils n'iront jamais le voir. Oh. Et voilà. 8-4-4. Dring. Oui. C'est Jennifer Amsberger. C'est ouvert. Ah, salut. Salut. Je croyais que tu allais venir toute seule. Oh, c'est mon amie Lexi, elle était à la tombola, tu te souviens? Oh ouais, bien sûr. Comment ça va? Je me suis dit que tu pourrais peut-être faire des photos d'elle en même temps. Ouais. Tu nous excuses une seconde? Bien sûr. Bon, écoute, j'ai envie de vexer personne, mais ta copine ne sera jamais mannequin professionnel. Mais pourtant, elle est plus mince que moi. Ouais, j'ai vu ça, mais c'est une question de structure. Il n'y a pas assez d'évidence dans l'allure. Bien sûr, ça n'a rien de personnel. Dites-moi, je pense que je vais vous laisser. Non, non, écoute, je... Si, je vais y aller. Lexi! Non, ça va très bien, merci. Je pars et je te laisse faire des photos avec lui. Je ne veux plus faire de photos. Tu seras mannequin professionnel, je ne laisserai pas. Si, tu le seras. Lise, c'était un nul de toute façon. Mais ta copine ne sera jamais mannequin professionnel. Tu ne trouves pas un peu grosse? Non, je ne trouve pas trop grosse. Tu as pris quelques kilos superflus cet été, mais c'est pas grave. Tu sauterais beaucoup plus haut si tu perdais du poids. Quelques kilos de moins peuvent faire toute la différence. Mais qu'est-ce qu'elle fait, ta sœur? Elle va être en retard. Je sais pas. Ah, enfin. Te voilà réveillée. Tiens. Je veux rien du tout. Il faut que tu manges. T'as pas oublié que c'était les demi-finales aujourd'hui? Je vais venir te voir, au fait. Je quitterai le travail plus tôt. Si tu ne manges rien, pas de volley-ball aujourd'hui. Oui, comment tu m'en empêcherais? En mettant ton entraîneur au courant. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce photographe qui voulait faire des photos de toi et de Jennifer. C'est le meilleur moyen pour être victime d'un viol. Maman, tu veux qu'on se dispute ou tu préfères que je mange? Ce que je veux, c'est que tu manges. De gros ravages dans l'organisme. Je vais vous expliquer en langage profane. Ce
Ce qui se passe dans l'anorexie, c'est que tous les muscles s'affaiblissent et rapetissent, y compris le cœur. Lexi s'est trouvée mal parce que son cœur affaibli et rétréci n'amenait plus assez de sang vers ses muscles qui sont rétrécis et affaiblis. Et c'est pour ça qu'elle a perdu connaissance. Cette perte de connaissance a été provoquée par une arythmie ou battement irrégulier du cœur. Mais elle ne risque pas de mourir. Non, pas si elle mange. On doit la traiter à trois niveaux, médical, nutritionnel et psychologique. Le rétablissement de son appétit est la pierre angulaire de la guérison. Et si... s'il refuse de manger? On l'alimentera par tube si c'est vraiment nécessaire. Quand ça ira mieux au niveau physique, elle retrouvera le mental nécessaire pour commencer le travail. Qui consiste? À traiter de tous les sentiments qu'elle a toujours refoulés. Alexis, bonjour, je suis Phoebe. C'est moi qui suis ta nutritionniste. Oui, c'est Lexi. Lexi? J'aime ça. Pour commencer, je peux te demander de te mettre de dos sur la balance. Pourquoi il faut que je me mette de dos? Pour éviter de voir ton poids. Allez. Hey, Hamburger, t'as envie de nous faire une anorexie à l'Alexis, toi aussi? Je ne veux pas qu'on plaisante avec Lexi. Ouais, je suis d'accord. Alors, prends une frite. Essaie de faire un petit effort, Lexi. Si tu ne manges pas, pas de télé, ni de sortie extérieure. Il te garde dans ta chambre pour te soigner. Mon but, Lexi, c'est d'arriver à ce que tu manges 3 à 5 fois par jour sans que tu sois inquiète pour ton poids. Je veux que tu puisses enfin manger quand tu as faim, dire stop quand tu as assez et aimer ce que tu manges. Qu'est-ce que tu en dis? Goûtez. Vous êtes normal. Vous pouvez manger normalement. Moi, je peux pas. Si je le fais, je deviens grosse. On peut savoir ce que tu manges? On commence par le petit déjeuner. Je bois du thé. Parfois, je mange une moitié de fruits. Et rien d'autre? Une gomme. En déjeuner. Une biscotte, des carottes, des cornichons. Et de l'eau ou du soda sans sucre. Et pour ton 4 heures? Je fais une gomme. Et pour le dîner? Salade, légumes. Sans sauce, je suppose. Et un demi-bol de riz. Ce qui nous donne à peu près moins de 500 calories par jour. Un petit peu plus si je prends un yaourt à 0%. Dis-moi, Alexis, où est-ce que tu peux situer ton poids idéal? Peut-être 50. Tu pesais 47 kilos. Et une fille de ta taille devrait, dans l'idéal, en peser 62. Pas question. Je n'ai pas envie de m'amuser à reprendre du poids. Tiens, fais-moi plaisir. Mets-toi devant ce miroir. Maintenant, dis-moi ce que tu vois. Des grosses cuisses et des hanches énormes. C'est comme dans ces miroirs déformants qui te font toujours plus large que tu ne l'es. Oui, mais c'est vraiment comme ça que je suis, en fait. Ce miroir n'est pas déformant, et ça, j'en suis certaine. Non. Mais ton anorexie est ce drôle de miroir qui te fait croire que ce que tu vois est bien réel. Ce que moi, je dois t'aider à faire, c'est à changer ce miroir.
toujours voulu d'une aiguille dans la main, j'adore. Très bien. Ça t'est égal d'être privé de télé ou de sortie extérieure, mais pour ce qui est du téléphone... Je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. Même pas à Jane. Mmh. Mmh. Si tu commences à manger autre chose que de la laitue, tu auras droit au téléphone. Il veut me faire manger un repas entier. Je vais aller les trouver. J'essaierai d'arranger quelque chose avec eux qui soit progressif. Ça marche? Ça marche. Lexi, respire profondément. Respire profondément. Allez, qu'est-ce que ça veut dire? Respire. Mais qu'est-ce que vous faites, docteur? Non, s'il vous plaît, madame Archer, je vous en prie. Comment as-tu osé exiger un tube d'alimentation? Comment as-tu osé me cacher ce qu'arrivait à ma petite fille? Je t'ai appelé. Tu n'as jamais répondu à mes appels. Il lui faut des éléments nutritifs et c'est comme ça qu'elle pourra les prendre. Elle était justement en train de recommencer à manger. C'est parce que le docteur m'a dit. Et je pense aussi que ce serait probablement une bonne idée que Lexi vienne vivre avec moi pendant quelque temps. Elle ne se plaît pas, Seattle. Et bien sûr, c'est ma faute et tout ça n'a rien à voir avec le fait que son père a abandonné sa famille. Je ne t'ai pas abandonné, je t'en prie, Catherine. Je t'avais prévenu. Oh, excuse-moi, j'avais oublié. Par ailleurs, tu sais très bien que c'était pour le mieux. Mieux pour toi, peut-être. Mon Dieu, ce que tu peux être associé à l'égocentrique. Oui, mais moi, au moins, j'agis. Je ne vais pas attendre qu'il soit trop tard. Trop tard, pourquoi? Pour avoir une vraie relation avec un autre être humain? Elle n'a pas besoin de ce maudit tube. Mon amour, je suis vraiment très triste. Je sais que ça n'a pas été drôle. Mais il n'y avait pas d'autre solution. C'est pour ça que tu ne manges plus. Écoute. Chérie, il faut que tu recommences à manger. Tu veux bien? Courage. Tu es mon amour. Je t'aime de tout mon cœur. De tout mon cœur. Oui, tu es ma petite fille. J'ai encore peur de la nourriture, mais je... Jane! Bonjour, ma petite aubergine. Ma petite aubergine. J'adore les aubergines. Ça va? Et toi? C'est pas mal, c'est une sorte de club med avec infirmière. Quand est-ce que tu sors? Quand je serai plus grosse. Oh, tu ne sais pas. Mes parents vont m'offrir une voiture. Une voiture? T'en as de la chance. Et quel genre de voiture? Je ne sais pas, ils ne me l'ont pas encore dit, ils veulent me faire la surprise. Ça, c'est trop génial. Tu pourras me trimballer partout. Oh oui. On ira à Los Angeles, à San Francisco. On pourra même aller jusqu'à New York. Oh. Non. Je n'ai pas oublié ton anniversaire. T'étais il y a 8 jours, c'est ça? Ma chère dame. C'est trop. Jane, je l'adore, tu sais. Je suis très contente de te revoir en bonne santé. Tu sais, tu le peux aussi. Non, pas moi. Pourquoi ça? Comme mon père dit toujours, je ne le désire pas suffisamment. Bien, son idée affaiblie de t'obliger à planifier les repas et à les cuisiner toi-même. Oh, c'est mieux que d'acheter des boîtes. Je te le fais pas dire. Ce que j'aimerais, c'est ne pas reprendre de poids après. Et elle t'a expliqué comment, chérie? Ce qu'il faudrait, c'est que je récupère mon métabolisme de base et ensuite mon poids d'équilibre se stabilisera et redeviendra normal de lui-même. C'est exact. Ah, dis-moi, les cours d'été démarrent dans 8 jours et tu as du retard à combler, hein, en biologie, en histoire. J'espère que Jennifer ira. Maman? Je me fais du souci pour elle. À quel propos? Eh bien, il faut que tu saches que c'est en limitant que j'ai appris.
que t'as appris quoi? À me purger. Je déteste ce mot. Moi, je dirais plutôt vomir. Attends, t'es en train de dire que Jennifer est boulimique? S'il te plaît, ne le dis à personne. Maman, tu ne vas pas les répéter ça, hein? Si elle savait que je te l'ai dit, elle... T'as pensé à sa santé? Enfin, est-ce que tu crois qu'elle court un réel danger ou quoi? Maman, je crois que tu n'as pas compris. Ce n'est pas qu'elle ne veuille pas dire stop, elle ne peut pas. Ce sera certainement difficile pour toi de la fréquenter. Maman, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux continuer à la voir, enfin c'est ma meilleure amie. Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas. Voyons, calme-toi. Et voilà. Je vais goûter. Pas mauvais. Ah, t'es championne en cuisine. Qui l'aurait cru, hein? C'est à base de légumes frais et verts. Ah. Ça ne devrait pas être chaud avec des nouilles dedans. Très bien, il faut que j'y aille. Tu es sûre que tu veux pas rester? Non, mes parents reçoivent des amis assez snobs. Ils veulent me montrer pour frimer. On sourit. Je passe te prendre après l'école demain. On ira à la plage. Ça marche. Ciao. Salut. Salut. Bonjour, Pamela. Bonjour, Catherine. Il se trouve que c'est mon chemin pour aller au travail et je me suis arrêtée pour vous déposer le pull de Jennifer. Elle l'avait oublié à la clinique. Ce n'est pas son pullover. Ah? Ah, j'ai cru que c'était le sien. Au fait, comment va votre fille? Ça va mieux maintenant. Oui, elle a commencé ses cours d'été. En réalité, Pamela... Lexis fait du souci à propos de Jennifer. Pourquoi? Elle pense que Jennifer pourrait aussi souffrir de troubles nutritifs. Oh, Jennifer est loin d'être maigre. Il n'y a d'ailleurs qu'à la regarder. Je sais, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas souffrir sérieusement de malnutrition. Vous savez, les boulimiques peuvent se maintenir à un poids parfaitement normal et courir un grave danger. Je vous en prie, j'apprécie votre démarche. Mais Jennifer n'est pas boulimique. Je pense que je le serais si elle était atteinte d'une chose de ce genre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, moi, de ne pas travailler. J'ai choisi d'être ici et de m'occuper de ma fille. Eh bien, je vois ce que c'est. Je suis désolée de vous avoir dérangé à cause de ce pullover. Mais je savais pas que tu suivais les cours d'été. Oui, j'ai du retard sur toutes les matières. Ouais, j'ai su que la bouffe t'avait posé des problèmes. Eh bien, oui, j'y remédie. Je peux te le dire? Dire quoi? Eh ben, je te trouve superbe. Ouais, tu sais, avant je te trouvais un petit peu squelettique. Merci. Ah, Jen, je te dis à plus. À plus tard. Salut. Merci pour le coup de la maman. Jen, t'es encore moi. Ton répondeur doit être détraqué tellement j'ai dû appeler, mais j'ai vraiment besoin de parler avec toi. Je t'en prie, appelle-moi. Au revoir. Je veux pas te voir. Je veux pas te voir, je te dis. C'est une soupe de légumes chinoise. Je n'ai envie de rien. Bien, je te la laisse ici, au cas où tu voudrais la manger plus tard. La seule chose qui t'importe, c'est de savoir si je mange ou pas. Écoute, je suis ta mère. Je ne peux rien y faire. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants se nourrissent, qu'ils grandissent et qu'ils s'épanouissent. Eh bien, je ne peux pas m'épanouir sans amis. Et tu ne veux pas que j'ai des amis, à commencer par Jen. C'est toi qui m'as dit que tu voulais aider Jennifer. Non, ce que je t'avais dit, c'est de garder le secret. Pas d'aller le dire à sa mère.
Bon, écoute, je suis désolée. Je me fiche que tu sois désolée. Ça va changer quelque chose. Jeanne n'a plus de contact avec moi. Elle ne veut même plus que j'aille la voir. Lexi, s'il te plaît, il faut vraiment que tu manges. Je déteste. Très bien. Tu n'auras qu'à lécher par terre. Nouvel assortiment Richemont. Trois savoureuses variétés de raclette servies sur un plateau en bois. Richemont, ça va faire du monde à la maison. Apprendre à aimer la lecture avec mon premier livre interactif de Fisher Price. Des histoires, de la musique, des textures. Et un peu plus tard, les lettres et les chiffres. Fisher Price, jouer, rire, apprendre. Et voici le robot Toby, un petit frère qui a du génie. Fisher Price. Avec le shampoing Herbalessence, nous vous promettons un grand moment d'extase. Désormais, avec notre après-shampoing très onctueux et enrichi en protéines, vous en aurez un deuxième. Oui, je me serais contenté d'un seul. Shampoing et après-shampoing Herbalessence pour des cheveux d'une exquise douceur. Célébrez la saga Star Wars avec le Gaulois, des Fix Max, des aimants inédits à collectionner et des centaines de cadeaux à gagner. Bon Duel présente sa dernière réalisation, les légumes cuisinés en briques. Une révolution pour préserver le goût des légumes, à découvrir au rayon conserve. Quand c'est bon Duel. En ce moment, un produit acheté, un produit offert. Lipton ne sélectionne que le meilleur du fruit. Lipton des parfumés, le vrai goût du fruit. Nouveau, découvrez les thés Lipton, pommes gourmandes et passion framboise. Imaginez que vous puissiez dire oui à vos enfants sans avoir peur qu'ils se salissent. Maintenant vous pouvez, grâce au nouveau Skip Actigel, la seule lessive en tablette avec un gel détachant intégré. Alors dites oui à des résultats parfaits avec le nouveau Skip Actigel. Tu ne sais pas ? Eh ben, je suis recalé en chimie à la session de rattrapage. Et c'est pas ton déjeuner, ça, hein ? Non, le mien, je l'ai oublié chez moi. Est-ce que t'as vu Jen dans le coin ? En fait, on va probablement la voir ce soir à la super fête de Mission Beach. Et pourquoi t'y viendrais pas ? Non, je peux pas, j'ai des choses à réviser. Enfin quoi, Alexis, c'est vendredi soir, hein ? Pourquoi pas ? Peut-être que j'irai vous rejoindre. Ah, très bien. Ici. Ouais. Bonjour Lexi, comment vas-tu? Pas mal. Tu viens à la séance, hein? Oui, j'ai un truc à aller chercher. Alors, à tout à l'heure. Et il y a la Macintosh qui a un peu plus de goût, mais elle est un tout petit peu plus acide. Oh, excusez-moi. Allô ? Catherine ? Oui, c'est Phoebe et Wills. Lexi n'a pas suivi la thérapie aujourd'hui. Salut Lexi,
ça va? Salut, Sarah. Est-ce que tu vas jouer au volley-ball cette année? Peut-être. Ça va dépendre, tu sais. Non, non, il faut que tu joues. On a tous besoin de toi. Eh bien, je dois maintenir mon poids à un certain niveau, sinon je n'ai pas le droit de faire d'exercice. L'exercice, moi, ça me fait manger. Je suis à la recherche de Jen. Est-ce que tu l'as vue? Oui. Elle est là-bas, en train de danser. Bravo! Bravo! Bravo, Jen! Ouais, vas-y! Vas-y, Jen! Jen est dans un drôle d'état et j'espère qu'elle va pas s'écrouler. Je l'ai jamais vue comme ça. Tu connais Jen, elle boit pas. Il faut qu'elle mange. Y a rien du tout ici à part des sacs de chips vides. Je peux trouver un hamburger? Génial. Allez, tu te sentiras mieux si tu manges. Je crois que je me sentirais mieux si Lexi arrêtait de me suivre partout. Qui l'a invité d'ailleurs? C'est moi. Ah oui, elle va encore m'espionner. Ah, peut-être que je n'aurais pas à le faire si tu répondais à mes coups de fil. Ouais, ouais, les filles, arrêtez, c'est idiot ces tensions. Oui, faites la paix. Ça suffit, arrête de me suivre. Toi et moi, on n'est plus copines, c'est terminé, c'est tout. Jen, tout ça, c'est nul. Ça va, toi, mais... laisse-moi tranquille, je sais encore ce que je fais quand même. Je te laisse. Mais pourquoi il t'en veut comme ça? Parce que j'ai dit quelque chose que je n'aurais jamais dû dire. J'ai vraiment besoin de te parler. Je suis vraiment désolée. T'as pas encore compris que je te détestais et que j'ai plus du tout envie de te voir. C'est clair. Je veux dire qu'elle est morte d'un arrêt cardiaque, pas à cause de l'impact. Docteur, écoutez, je veux savoir comment une jeune et belle jeune fille aussi saine peut mourir comme ça d'un arrêt cardiaque. Son cœur n'avait jamais causé de problème? Non. Est-ce que votre fille était boulimique? Quoi? Oui, est-ce qu'elle mangeait trop et est-ce qu'elle se faisait vomir ensuite? Je sais pas. Son œsophage présentait des ulcérations qui sont les marques habituelles de la boulimie. On est en train de vérifier les électrolytes pour voir s'il n'y a pas un déséquilibre. Et s'il y en avait un? Ça répondra à votre question, qui était de savoir comment son cœur a pu s'arrêter sans raison apparente. Jen? Jen?
Je veux pas lui parler, il m'énerve. T'inquiète pas, en ce moment, elle ne parle à personne. J'aimerais lui parler. Une seconde. Mais non, elle ne va pas bien. Sa meilleure amie vient de mourir et elle pense que c'est sa faute. Attends, Jill voudrait te dire un mot. Salut, papa. Devine ce qu'on a pour dîner? Des lasagnes au soja. Lexi, à table. Maman pense que Lexi aimera ça, elle est végétarienne, mais ça m'étonnerait, elle refuse tout ce qu'on lui donne. On dirait un fantôme. Allonge-toi sur le canapé. Il faut que je m'en débarrasse, maman. S'il te plaît. Du calme, ma chérie. Attends, attends. Mon estomac me fait mal. Je sais, mais c'est pas pire que de vomir, crois-moi. Maman, il faut me laisser, s'il te plaît. Lexi, tout ça. C'est ça, parce que tu fais tout ce qu'il faut pour t'affamer. Tu ne manges rien de toute la journée et ensuite... Je sais, mais je veux pas devenir grosse. Bien, il faut que je vacille tout ça. Non. Calme-toi. S'il te plaît, maman. Ferme les yeux. Ferme bien les yeux. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Lexi. 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 C'est fini. Tu ne me laisses pas le choix, Lexi. S'il te plaît, maman. Arrête. Lexi, c'est assez dur comme ça. Si je retourne là-bas, je vais me laisser mourir. Je sais, je vais mourir. Non. Tu vas te nourrir. Chose, maman. Parce que je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre. Allez, dépêche-toi, descends de cette voiture. J'ai contre moi. Absolument pas, je ne suis pas contre toi, je suis contre cette chose. Contre ce démon qui te consume doucement. Moi aussi, je l'aime. Alors combat-le, Lexi, bats-toi. C'est pas si facile. J'aurai jamais la force. Jen l'avait... Elle a toujours été si forte. Jane est morte. Pourquoi c'est pas moi? Ce n'est pas de ta faute. Je te jure. Je n'étais pas allée à cette soirée, elle serait ici maintenant. Elle voulait quitter la fête à cause de moi parce que j'ai venu le pantiner. Tu vois? Si j'étais pas allée... Elle n'aurait pas eu cet accident. Alors promets-moi que tu vas recommencer à manger. Alors promets-moi que tu vas essayer. Ce que j'aimerais en fait, c'est prendre mes 2 semaines de vacances. Maintenant ? À partir de demain. Nous sommes débordés en ce moment, Catherine. C'est pas la bonne période. Je sais, mais ma fille va très mal. Sa vie est en jeu. Il faut que je sois là pour elle, Ted. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi vous ne pouvez pas la faire manger? Si mes enfants me causent un problème, je les punis pendant une semaine. Ah, oh, mais c'est ça le problème.
Tout le monde pense que tout ça est très simple, et ça ne l'est pas. De toute façon, elle se punit déjà elle-même. Elle n'a aucune sorte de désir, elle est trop faible pour faire quelque chose. Ça me fait l'effet de quelqu'un qui ne veut pas aller à l'école. Savez-vous combien il y a de filles qui meurent d'anorexie dans notre pays au cours d'une année? Et je vous parle de jeunes filles qui avaient tout pour réussir. Je me souviens de cette pauvre Karen Carpenter. Je ne veux pas que ma fille soit la prochaine victime. Très bien. Merci, Ted. Maman? Oh, je me suis endormie. Quelle heure est-il? Mon Dieu, il est presque 3 heures. T'as pas envie d'un yaourt? Tu crois que tu peux digérer ça? Tiens, c'est sans matière grasse. Je veux que tu fasses un essai. Lexi t'a dit que tu étais d'accord pour essayer. S'il te plaît. Je l'ai tué, maman. Tu n'as pas tué Jen. C'est sa boulimie qui l'a tué. C'est parce que ses parents n'ont pas voulu y croire. Je voudrais disparaître. Lexi! Non! Tellement de la nuit où tu es venue au monde. J'adorais m'occuper de toi. J'avais besoin de toi comme toi, tu avais besoin de moi. Tu t'es agitée, tu as commencé à sucer le sein et ça m'épanouissait. Cette pression intérieure en moi s'en allait. Et quand tu avais fini, ta petite tête quittait mon sein. Tu avais l'air si comblée et tellement satisfaite. Et là, je te mettais doucement sur mon épaule, juste à côté de mon visage. Ton odeur était si délicieuse. Penche, je te tapais un peu jusqu'à ce que tu fasses un grand et beau petit rototo. C'était si facile. Jay, on a encore besoin l'une de l'autre. Et tu sais tout, Dar, il va bien falloir que tu manges. Je ne t'ai pas fait faire un tel voyage pour te regarder mourir. Eh bien, Alexis. Une seule cuillère à la fois. Je t'aime tellement. Tu le sais que je t'aime, au moins. Oui. Encore une. Peter, mais qu'est-ce que tu fais ici? Où est-ce qu'elle est? Papa! Lexi. Oh mon Dieu.
Il faut la mettre tout de suite dans un hôpital. Elle n'a pas envie d'y aller. Et une fois de plus, moi je ne suis au courant de rien. Je t'aurais appelé si elle y était allée. Alors tu as pris les choses en main avec tes procédés d'amateur. Je suis sa mère et pas une amateur. Mais tu es loin d'être une spécialiste, Catherine. Peter, elle regrignote et elle regrossit doucement. Mais regarde-la, regarde cette vision affreuse. Elle ne peut même plus lever la tête. Je vais vite la ramener dans un hôpital. Non, papa, s'il te plaît, m'emmène pas là-bas. Chérie, je ne viens pas faire ça pour être méchant, mais je ne peux pas te laisser mourir. Maman non plus veut pas que je meure. Tu ne peux pas faire ça, Peter. Je t'en prie. Tu ne peux pas débarquer. Catherine, est-ce que le docteur Eden est au courant de ce qui se passe? Ce que je suis en train de faire ici, figure-toi, c'est ce que moi je peux vraiment faire de mieux pour la rematerner. Rematerner, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? C'est le nouveau style psycho-blabla. Oh, écoute, de toute façon, quoi que je dise, tu vas trouver à te moquer. Tu as vraiment envie de jouer avec la vie de ta fille, Catherine? Est-ce que ça t'amuse de voir ça? Nous savons très bien que le tubage, ça marche. Mais c'est une solution temporaire, ça. Et moi, ce que j'essaie, c'est de changer les choses à la racine. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu peux faire ça? C'est vrai, je ne sais pas. Si ce n'est que j'ai pleine confiance en elle. Et maintenant, c'est à toi de lui faire confiance à ton tour. Alors donne-moi une semaine, s'il te plaît. Non, je ne peux pas faire ça. Il faut qu'elle retourne à l'hôpital. Non, pas d'hôpital. Ici, c'est ma maison, et ce que je veux, c'est te voir tout de suite dehors. Tu oublies que c'est moi et moi seule qui en ai la garde. Tu oublies que je suis son père. Quand ça te prend, et c'est tout. Ça suffit, quoi, vous êtes fous. Ça suffit, tous ces cris, s'il vous plaît. Je reviendrai. Pourquoi es-tu si dur envers toi? Mange, c'est tout. Je suis désolée, maman. Je crois que je vais finir par te décevoir. Tu ne me déçois absolument pas, mon chéri. Tu me désespères. J'aimerais pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire de façon superbe. Allô? Quoi? C'était ton père. Il va venir demain matin pour t'emmener à l'hôpital. Et là, je ne peux rien y faire. Il a une décision de justice. Alexis, ça suffit! Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne serai pas là demain matin. Alexis, je sais que tu es en colère. Tu es en colère après moi? Alors tout ça, ça a à voir avec moi, c'est ça, hein? Ça concerne quelque chose que j'aurais dû faire en tant que mère, ou quelque chose que j'ai pas fait, quelque chose dont j'ai pas eu conscience, quelque chose que j'ai pas trop mis en avant, ou alors pas assez, ou pas du tout. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Dis-moi! Pourquoi je pense que si je t'aime suffisamment, tu vas cesser de t'affamer toi-même? Je veux que ce soit toi qui prenne en charge, Lexie. Mais j'ai peur. Je sais que si je te laisse partir, tu ne vas pas t'aimer suffisamment pour vaincre tes démons. Alors il faut que je te laisse partir. C'est ça, hein? Eh bien, je n'ai pas l'intention de t'en empêcher. Que tu veuilles vivre, ou que tu te suicides, ça dépend de toi maintenant. Tu dois choisir toute seule. Thank you.
J'ai pas envie de mourir. Je veux pas mourir. Tu vois, c'est pas si difficile. Désolé, tu vas pas laisser le choix. Très bien. Lexi, ton père est là. Mais tu n'es pas prête? Où est ta valise? Oui, je l'ai faite cette nuit, mais... je ne crois pas avoir besoin d'y aller. Chérie, je n'ai pas fait toutes ces démarches pour avoir à me battre avec toi. Il est temps que je t'emmène à l'hôpital et on n'en parle plus. Tu as toujours fait ça, Peter. Attendre que les choses aillent de pire en pire et ramasser les morceaux. Bravo, Catherine. Enfin, tu reconnais que les choses vont mal. Allez, on... Non, papa. Non, non, il ne s'agit pas de perdre du temps. Où est ta valise? Papa, ce n'est pas ton problème. Celui de maman non plus. C'est le mien. Et je dois le résoudre. Et le fait que j'aille à l'hôpital ou pas, ce n'est pas vraiment ça le problème. Ah oui? Et qu'est-ce que ce serait le problème? Laisse-la parler, Peter. Elle essaie de t'expliquer quelque chose. Je sais, elle essaie de me dire qu'elle ne veut pas aller à l'hôpital. Je ne suis pas idiot. Non, je suis en train de dire que tu ne vas pas arriver ici sur un cheval blanc pour me sauver, papa. Je dois me sauver moi-même. Lexi, tout ce que je veux... c'est seulement que toi, tu ailles bien. C'est tout, tout ce que je veux. Est-ce que tu veux le comprendre? Je t'aime tellement. Si tu savais comme je t'aime. Je te jure que je serai toujours là si tu as besoin. T'as l'air en forme, Lexi. Si ton poids reste stable pendant 4 bonnes semaines, ce sera bon pour le volleyball cette fois. Vraiment? Bon, je sais que c'est bientôt la fin de la saison, mais tes os et tes muscles sont en train de récupérer leur perte nutritionnelle. Vous viendrez me voir? Tu parles et je hurlerai. C'est génial. Est-ce que t'as toujours envie d'aller habiter avec papa? Non, pas vraiment. Alors, est-ce que ça va mieux maintenant? Oui. Ah, mieux, bien sûr. Mais c'est toujours une bataille. Tu sais que tous les jours, je me lève et je me dis en moi-même, Lexi, est-ce que tu vas te détester ou est-ce que tu vas enfin t'aimer? Je me demande jamais des trucs comme ça. Eh bien, moi si, ça va sûrement durer un moment. Est-ce que tu t'aimes aujourd'hui? Oui, ça ne fait aucun doute. Et je crois même que je t'aime aujourd'hui. J'espère que ça ira cette fois. Il faut absolument qu'on s'en sorte. Lexi, ça peut plus durer. Maintenant que Lexi est revenue, peut-être qu'on gagnera. Lexi, je te mets tout de suite au service. On voit comment ça marche, tu me le fais savoir si tu veux sortir. Très bien. Super. Pas de boucle d'oreille, pas de pince à cheveux. Et crache ton chewing-gum, Sarah. Ça me fait rire. Oh, Lexi, il faut que tu enlèves ce bracelet. Je suis sûre que ça va aller.